Madame messieurs bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun magazine TV. L'actualité en continue sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Le président de la Fédération camerounaise de football, Feucafou, Samuel Etoho, a ouvert la voie à la sélection camerounaise pour remporter la Coupe du Monde 2022. Vous n'avez pas besoin d'extraterrestres dans votre équipe pour gagner la Coupe du Monde, a-t-il lancé dans une déclaration accordée à FC Internews. Il faut une bonne préparation. Une forte mentalité et de la folie. J'ai gagné quelques trophées dans ma carrière et je donne toujours l'Inter en exemple, a-t-il poursuivi. En 2009, personne ne pensait qu'on pouvait gagner la Ligue des Champions, et José Mourinho a fait quelque chose d'incroyable avec un groupe d'hommes et de guerriers. J'aimerais voir quelque chose de similaire dans mon Cameroun, a conclu l'ancien attaquant du FC Barcelone. Un constat plutôt audacieux, d'autant que le quintuple champion d'Afrique a déçu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations et s'est qualifié pour la Coupe du Monde via des pincettes. Pour rappel, le Cameroun a réalisé sa meilleure performance lors de la Coupe du Monde 1990, atteignant les quarts de finale de la compétition avant de s'incliner face à l'Angleterre 2-3. Rappelons que l'ancien arbitre français Tony Chaperon n'a pas été tendre avec l'entraîneur algérien Jamel Belmadi après avoir récemment commenté sur le site internet de la Fédération algérienne de football (FAF). La déclaration de Jamel Belmadi a choqué plusieurs observateurs, dont l'ancien arbitre français Tony Chaperon, qui a dû abandonner après avoir battu le défenseur du FC Nantes Diego Carlos. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.